Bonjour, je vous présente Nori, Nori. Alors c'est un jeu simple. Vous voyez la grille ici, il y a une zone, une deuxième zone, une troisième zone, une quatrième zone, une cinquième zone, une sixième zone, une septième zone. On les voit bien puisqu'elles sont entourées en gras. Alors, on doit choisir, noircir des cellules de manière à ce qu'il y ait exactement deux cellules ombrées dans chaque zone. Et ben donc ici, hein, elles vont être forcément coloriées, mais pas sûres. Ben si, parce que ça c'est une zone, donc ces deux-là, vous êtes sûr qu'elles seront coloriées. Par contre, les autres, comme elles ont plus de 3 carrés, hein, deux zones, hein, vous voyez qu'ici il y a deux petits carrés, eh bien ailleurs, peut-être que ça va se chevaucher. Hein, l'important, c'est d'avoir des dominos. Donc ici, c'est tout à fait le dessin d'un domino, ici, c'est tout à fait le dessin d'un domino. Mais chaque cellule grisée doit faire partie d'un domino. Les dominos peuvent traverser les frontières de la zone, c'est-à-dire que ici, si j'en ai deux, ben je pourrais pas en mettre un ici. Je pourrais colorier ces deux-là, mais je pourrais bien très bien colorier ces deux-là qui traversent, vous voyez, une zone. Mais il m'en faut au moins deux par zone. Donc ici, vous voyez, on peut avoir là et là, hein, ainsi qu'ici. Alors, parce qu'en plus, les zones grisées ne peuvent pas se toucher. Elles ne peuvent se toucher qu'en diagonale. Donc, un domino, hein, vous le savez, c'est composé de deux cellules noircies côte à côte. Hein. Donc ici, par exemple, comme il faut que eh bien, ce soit colorié dans une zone, qu'il y ait deux zones grisées, deux cases grisées dans une zone, hein, et bien ici, je n'ai pas le choix, vous voyez. Là, je n'ai pas le choix ici, puisque de toute façon, j'ai que deux zones. Celle-ci, elle n'a que deux zones aussi, donc je suis obligé de la colorier. Puisque chaque zone doit avoir deux cases grisées. Alors, grisées ou rosées, hein, puisque ici, j'ai pris du rose. Ici, ça ne peut se toucher qu'en diagonale. Donc, je vais forcément avoir une zone rose ici. Mes feutres fonctionnent bien mal. Ah, voilà. J'aurais dû prendre celui-ci dès le début. Donc, vous voyez ici, pour l'instant, c'est parfait. J'ai 3 dominos et j'ai 2 zones grisées dans chaque, 2 cases grisées dans chaque zone. Alors il me reste cette zone-là, cette grande zone ici, cette zone-là et cette zone-là. Alors après, bien, il faut chercher. Il faut chercher, donc ici, il faut 2 cellules grisées, mais pas forcément qui se touchent, hein, dans une zone. Hein. Ici, ça aurait pu être celle-ci et celle-ci. Et celle-ci aurait pu toucher celle-là, parce qu'il faut des dominos. Hein. Donc, ici, bien dans celle-là, je ne peux pas toucher ici, mais par contre, je peux toucher en diagonale. Donc là, je n'ai pas le choix. Là, c'est forcément ici. Alors, maintenant, il me reste la grande zone ici, cette zone-là et cette zone-là. Donc là, il va sûrement y avoir des... Alors ici, je vais en mettre une ici. Hein, puisque c'est toujours par domino. Donc ici, j'ai une case grisée dans cette zone, une case coloriée dans cette zone, une case coloriée dans cette zone. Donc il m'en faut une autre dans chaque. Eh ben, voilà la solution. Je vais faire ici, j'ai un domino. Et dans cette zone, j'ai deux cases coloriées. Là, j'en ai qu'une. Mais ici, j'en ai qu'une. Eh bien, voilà. Je vais me mettre ici. Et le problème est résolu. J'ai bien deux cases coloriées dans chaque zone,
que des dominos et aucune case coloriée touche une autre case par un côté adjacent, par diagonale. Enfin, c'est adjacent, mais au niveau des diagonales, du sommet. Sommet, sommet, sommet. Voilà. Et bien maintenant, vous savez jouer à Nori Nori. Je vous mettrai un lien pour jouer en ligne. Merci, au revoir.